Hey girls, welcome back. J'espère que vous allez bien. Vous vous êtes certainement demandé pourquoi certains produits skincare semblent ne jamais fonctionner sur votre peau. Aujourd'hui, je vais vous donner les raisons possibles. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. So, let's go. La première étape pour comprendre pourquoi certains produits skincare ne fonctionnent pas est de connaître son type de peau. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est hyper important de connaître votre type de peau. Si vous ne connaissez pas votre type de peau, quels que soient les produits que vous allez appliquer sur vous, cela ne fonctionnera pas. Donc peut-être que vous avez une peau normale, mixte, grasse, sensible ou sèche. Vous pouvez faire des recherches ou tout simplement aussi consulter un dermatologue. Parfois, les produits contiennent des ingrédients qui ne conviennent absolument pas sur votre type de peau. C'est pour cela qu'avant d'acheter un produit, lisez les ingrédients et les formulations. Faites des recherches, vraiment prenez votre temps. Certains produits contiennent des huiles lourdes qui peuvent entraîner des éruptions cutanées sur une peau grasse. Ou par exemple, les ingrédients comme l'acide salicylique peuvent irriter sur une peau sensible. Donc il est très important de prendre vraiment le temps de lire les ingrédients et les formulations avant d'appliquer un produit sur votre peau. Une routine skincare mal adaptée peut empêcher les produits de fonctionner correctement. Utiliser trop de produits exfoliants endommage la barrière cutanée de la peau. Ou par exemple, si vous utilisez des actifs très puissants comme le rétinoïde, et que vous ne vous hydratez pas derrière, vous allez irriter votre peau. C'est pour cela, commencez toujours avec une routine simple et efficace afin d'avoir un équilibre. On est d'accord que l'être humain est toujours pressé, impatient, n'est-ce pas? Par contre, les soins de la peau nécessitent de la patience, de la régularité et du temps. Quand vous allez commencer à utiliser un nouveau produit sur votre peau, ne vous attendez pas à avoir un résultat immédiat. Il faut vraiment que vous soyez patient et vous verrez les résultats, on va dire, entre... Franchement, entre 2 semaines et 4 semaines, là, vous allez avoir les résultats. C'est pour ça que ne vous précipitez pas. Même si vous voyez que ça ne fonctionne pas, si ça correspond à votre type de peau, il n'y a pas de raison. On n'en parle pas assez, mais les facteurs externes comme le stress, l'alimentation et l'environnement peuvent influencer l'efficacité de certains produits. C'est pour cela qu'il est hyper important d'avoir une alimentation équilibrée, un mode de vie sain et un environnement propre et rangé. Il faut vraiment que votre intérieur soit propre et rangé. Ça joue beaucoup, beaucoup sur la peau, enfin surtout. Donc c'est hyper important de privilégier cela et de travailler aussi par rapport à cela. C'est vrai que par rapport au stress, on est tous stressés. Moi, la première, je suis vraiment stressée, mais j'essaie vraiment de relativiser. On relativise et tout va bien se passer normalement. En résumé, connaître votre type de peau, choisir les bons ingrédients, adopter une routine skincare simple et efficace et être patient sont les clés pour que vos produits skincare fonctionnent. Voilà les girls, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. On n'oublie pas encore une fois de commenter, de liker et de partager. Et pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Tchuss !